Salut à tous, c'est Simia, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très joyeux Halloween. Je vais vous raconter une de mes expériences paranormales que je vis déjà depuis un an. Et tout a commencé le 4 novembre 2021, où j'étais censé faire un urbex pour Halloween avec des histoires creepypasta, glauques et tout ça. Au milieu de l'urbex, je voulais vraiment faire cette ambiance-là, mais en fait, tout s'est transformé en une expérience paranormale ce jour-là. Je suis très cartésien, mais je reste quand même très ouvert d'esprit. Je fais des urbex depuis très longtemps et jamais dans un but d'aller chercher du paranormal, mais ce jour-là, un simple urbex d'Halloween s'est transformé en une expérience paranormale. Je connais le lieu depuis très longtemps. Et il était déjà un petit peu glauque quand il était ouvert. Je connais beaucoup de choses, il y a certaines choses que je ne peux pas encore divulguer puisque je suis encore en train de faire une enquête sur place. Une enquête paranormale, oui, d'essayer des choses, comme ne serait-ce que placer par exemple une boule plasma, voilà, par exemple, de voir s'il y a des réactions, s'il se passe des choses, placer des balles, mettre de la musique. Je fais plusieurs tests puisque j'ai de la chance de vivre des événements paras qui sont vraiment nets et visibles. Du coup, je suis même allé jusqu'à fabriquer mon propre térémine. Alors, un REM pod térémine, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Alors, moi, je l'ai un petit peu customisé. Mais voilà, il y a le circuit imprimé dedans. J'ai vraiment fait de la micro-soudure, etc. C'est un vrai truc. Je vais mettre le DIY de mon térémine sur ma chaîne YouTube prochainement. Et en fait, le térémine, pour ceux qui connaissent pas, quand tu l'allumes ici, au moment où tu t'approches, ça sonne. Voilà. Après, j'ai fait une découverte assez intéressante. Quand on allume ça, donc là, il faudrait que je sois là. Mais si on l'allume de là, ça sonne de très loin. Il faut vraiment que je sois à bout de bras. Et si je les rapproche, ça se déclenche tout seul. Donc en fait, ça, je vais faire hyper attention. Voilà. C'est le genre de debunk que je fais, en gros. C'est-à-dire que j'essaye de faire des expériences avec des objets qu'utilisent les, entre guillemets, chasseurs de fantômes. Et du coup, j'essaie des choses. Voilà. J'essaie des choses parce que, comme je l'ai dit, je suis très cartésien, mais tout de même ouvert d'esprit. Par contre, je veux vraiment aller jusqu'à, ben, par exemple, voilà. Celle-là, elle est cassée parce que j'ai fait trop de tests, moi, par exemple. Du coup, ben, y a plus rien. Le circuit, il est là, d'ailleurs. Voilà, voilà, je pousse les tests vraiment parce qu'il se passe des choses. Voilà, par exemple, vous connaissez le principe d'une boule plasma. Eh bien, ça m'est déjà arrivé en urbex. Vous voyez les filaments, là? Ben, d'un coup, se sont figés tout doucement comme ça, tac, et ils sont restés figés comme si la boule plasma était devenue une photo. Donc vraiment incroyable. Plusieurs expériences vraiment vraiment de fou. Je peux même pas tout vous lister parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite vidéo parce que, comme on le dit, une image vaut 1000 mots. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter mon expérience. J'espère que ça va vous plaire. Je suis en cours de découverte, on va dire. Et tout ce que je connais sur le lieu, ça sera un dénouement pour bientôt. Je veux pas trop en divulguer non plus parce que je préfère garder le lieu très secret, etc. Donc si je donne certaines infos, j'ai peur qu'il y ait des gens qui fassent trop de recherches et qu'ils aillent sur le lieu pour le dégrader, etc. Donc pour l'instant, en tout cas, j'y vais progressivement sur les infos. Mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses là-bas sur place. D'une manière, pour rester authentique, j'ai ramené des gens avec moi qui m'ont regardé en live déjà une première fois. Je les ai ramenés avec moi pour qu'ils voient, pour qu'ils entendent, pour qu'ils vivent le truc avec moi. Et du coup, on a Fitania qui est venue de Suisse pour vivre l'événement. On a Camimi sur ma chaîne qui est modératrice et maintenant qui fait quand même partie des enquêtes puisqu'elle m'aide beaucoup à filmer. J'ai beaucoup plus de cam qu'avant, etc. J'ai mon frère Icar aussi qui vient partager les expériences. Et puis bientôt d'autres personnes. Donc il y a d'autres personnes qui m'ont demandé. Et petit à petit, ben, je fais venir les gens pour montrer que c'est pas des blagues. Parce que c'est vrai. Quand vous arrivez sur YouTube, vous avez un petit truc de vous dire « Ouais, bon allez, il fait ses vues et tout ça. » Bon, la vérité, c'est que je fais pas de vues déjà avec mes vidéos que je présente sur YouTube, puisque je fais dans un ordre chronologique, je mets toute l'enquête avec un petit une petite auto-évaluation, un débunkage, etc. Il y a vraiment toute l'enquête depuis le début.
C'est pas mon but là, c'est vraiment trop intéressant pour que ça devienne du putaclic et tout ça. Alors de temps en temps, ouais, je vais mettre une petite miniature et tout, normal. On est streamer, on est youtubeur, on présente bien. Mais sinon, dans le contenu, non, non, on fait pas de bêtises. On essaie de rester vraiment au maximum dans le truc. On va vraiment tout mettre en avant. On entend un bruit, on va dire on a entendu ça, mais si on fait un bruit, on va pas faire oh, c'était quoi? Oh là là, ouh, waouh! Non, non, on dit c'est moi qui ai fait ce bruit, tu vois. Et puis on pousse le debunk, c'est-à-dire que sur place, même des fois, d'après les idées du chat, on va venir, je sais pas moi, bloquer une porte. Enfin, on fait des trucs pour le debunk. Et puis ce qui m'arrive aussi en live, c'est de laisser le chat me guider. C'est-à-dire que le chat décide à l'instant T si je tourne à gauche, à droite, si je vais tout droit, si je redescends, si je remonte. Du coup, ça prouve bien qu'il y a personne d'autre avec nous sur les lieux, avec moi, des fois, quand j'y vais seul. De base, j'y vais seul. Voilà. De base, j'y vais seul. J'ai beaucoup de raisons au niveau de l'immersion et de la sécurité d'y aller seul, en tout cas en urbex. Et je fais ça depuis très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon histoire. Voilà. Tout simplement, le 4 novembre 2021, il y a eu des événements auxquels j'étais pas prêt du tout. Pour vous dire juste, une porte coupe-feu qui s'ouvre et qui se ferme juste devant moi, toute seule. C'est incroyable, parce que ni le vent ni quoi ne fait bouger ce genre de porte. Hein. Une porte coupe-feu, c'est genre, c'est le best-of de la porte, vraiment. Donc voilà, en tout cas, on a ce petit truc-là. Qui est arrivé ce jour-là, qui m'a hyper perturbé, et puis il y a eu des dizaines d'autres trucs. C'était trop. C'était trop pour que ce soit le bâtiment qui travaille, par exemple, avec certains bruits, etc. À moins que le bâtiment fasse de la Zumba ou un truc comme ça. Non, le bâtiment ne travaille pas comme ça, quoi. C'était juste insane. Et puis de toute façon, toute l'enquête depuis le début, elle est insane là-bas. Donc voilà, moi je suis hyper excité avec cette histoire. Il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que au moment où il a été abandonné, tout est resté figé. Tout est resté figé, comme s'il y avait encore de la nourriture dans les assiettes. Tout était là. Il y avait encore des linges, des affaires perso aux gens, etc., etc. Donc voilà, je donne pas plus de détails pour le moment. J'en connais beaucoup plus que ça, mais ça ira avec le dénouement de l'enquête, comme je vous l'ai dit, pour sécuriser le truc. Et voilà. Je pense qu'il est temps de regarder et de voir par vos propres yeux les délires, parce que c'est un vrai délire, c'est un vrai truc, c'est complètement fou, complètement fou. Il y a beaucoup de choses on a réussi à expliquer, mais il y a énormément de choses que on peut en discuter là des heures si vous voulez. Je peux vous dire, mais il y a des trucs, il y a pas d'explication, c'est comme ça, c'est paranormal. Et moi, je suis du genre à le voir pour le croire. Et aujourd'hui, je peux vous parler d'orbes fantomatiques. Je peux vous parler d'ombres. Je peux vous parler de poltergeist. Je peux vous parler des échos du passé, etc., etc. Je peux vous parler de tellement de choses. Et je vous montre ça directement en vidéo. En tout cas, un bon Halloween à tous. Profitez bien de la vidéo. Pour les sceptiques parmi vous, je vous en veux pas, c'est la rue. Je vous en veux pas du tout, mais c'est ouf, voilà, c'est juste ouf. Ok, donc là, on est à l'intérieur du bâtiment. C'est un tout petit rush pour prouver que dehors, il n'y a absolument pas de vent. Tout à l'heure, la clochette, elle était accrochée ici.
Voilà, là, regardez, il n'y a pas de vent. Vas-y, baisse la pochette où elle était ici. Voilà, il n'y a pas de vent. Plus bas, il y en avait une aussi plus bas. Voilà, il n'y a pas de vent, zéro vent. Ok, oui, est-ce que c'était vous? D'accord. Est-ce que vous êtes vivant? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? J'ai la lampe dans la main et la caméra dans l'autre main. Est-ce que vous voulez que je vienne? Vous êtes dans les vestiaires? Le E, c'était Icara. Ouais, c'est la porte des enfers, le machin. On dirait que ça a été déplacé et tout. Bougez pas. Ils ont entendu le bruit ou pas? Je sais pas, est-ce que vous avez entendu le grognement? Le gros rourou.
Est-ce que vous êtes encore là? Fuck. Au revoir. Est-ce que vous êtes encore là? Fuck. Au revoir. Est-ce que vous êtes encore là?